L'émission franco-américaine Fulbright France célèbre cette année, en 2023, son 75e anniversaire. Le programme Fulbright a été créé en 1946 par le Congrès américain sur proposition du sénateur américain du même nom. Depuis, Fulbright est devenu le programme phare de la mobilité internationale universitaire américaine. Il consiste en l'attribution de bourses à des Américains et à des citoyens des pays partenaires pour étudier, enseigner ou conduire des recherches aux États-Unis ou à l'étranger. Bonjour, je m'appelle Alexandre Lagneau, je suis médecin-chercheur. Je travaille à l'Université Paris-Cité, à l'Hôpital Saint-Louis à PHP et à l'Institut Pasteur. J'ai bénéficié en 2017 de la bourse Monahan de la Commission franco-américaine et qui m'a permis de partir à Johns Hopkins University dans le laboratoire de Arturo Casadevall. Bonjour, my name is Liliana Rios. I'm a PhD candidate at the University of South Florida and a Fulbright advanced student. My research compares the service of African-American soldiers in both the French and the United States armies during the Great War. À ce jour, 400 000 lauréats de 160 pays différents ont pu en bénéficier. Parmi eux, des prix Nobel, des chefs d'État ou de gouvernement. Mais c'est en 1948, le 22 octobre exactement, que les gouvernements français et américains ont signé l'accord créant le programme Fulbright en France, faisant de ce pays le troisième partenaire du programme. France is one of the United States' oldest allies and dearest of friends. And the US-France Fulbright program is a testament to the enduring values we both hold so dearly. Through the innovation and creativity of the Franco-American Fulbright Commission, led by our executive director, Martine Roussel, the US-France Fulbright program has grown to one of the largest in all of Europe. And the United States is so proud of the 75 years of support for the Fulbright program with France. Le programme est administré depuis lors par la Commission franco-américaine, un organisme binational. Sa gouvernance et son financement sont partagés entre le département d'État américain, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et des partenaires publics, des régions, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, Grand Est et des établissements d'enseignement supérieur. La Commission collabore également avec des partenaires privés, des fondations, des dotations, des cabinets d'avocats, dont elle met en œuvre les programmes de bourse, permettant ainsi d'accroître les opportunités pour les chercheurs, chercheuses et les étudiants désireux d'effectuer des séjours d'études et de recherche aux États-Unis. Près de 22 000 lauréats, français et américains, étudiants, doctorants, chercheurs, ont bénéficié des programmes de la Commission. Cependant, les programmes de la Commission se sont considérablement diversifiés depuis sa création. Aujourd'hui, en plus des bourses d'études et de recherche, la Commission offre des postes d'assistants de langue, soutient des artistes, des responsables d'organisations non gouvernementales et offre également la possibilité aux dirigeants d'universités américaines de découvrir l'enseignement supérieur français dans le cadre d'un séminaire itinérant de 2 semaines. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule discipline académique qui ne soit soutenue par Fulbright France. Ceci témoigne de la remarquable capacité du programme Fulbright à s'adapter, à évoluer dans un contexte historique changeant, sans jamais perdre de vue ses valeurs fondatrices. Dear friends, dear all, we had a full year. It has been a huge celebration for the 75th anniversary of the Franco-American Fulbright Commission. 75 generations of French and American students, doctoral candidates, researchers, academics, who have crossed the Atlantic as part of the Fulbright exchange. And tonight we have the testimony of this success. I decided that if I could do something kind of in the immediate kind of future in the next few months while I was still in France, I'd try and launch workshops to really connect and bridge those who are on the other side of the digital divide. I think we've all seen with COVID how important that is to be digitally connected, to have the right skills for the labor market. I think there's a lot of disruptions happening. And so I ended up building Connect. Cette expérience américaine m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, m'a permis de finaliser un certain nombre de,
de travaux scientifiques qui m'ont permis de publier des travaux qui ensuite ont été la base de ma recherche, la recherche que je fais à l'heure actuelle à l'Institut Pasteur. Fulbright has given me the opportunity to explore some of the most comprehensive military collections and above all has granted my wish to visit France. Being here in Paris is waking up to a dream every day. I love this city and everything it has to offer, its rich culture, history, and beauty. Just as American novelist Gertrude Stein once said, America is my country and Paris is my hometown. Living abroad is also a personal experience. It's not just about scholarship and research. It's also about living abroad and what it changes in your life. So it's also something of an experience. And I must say that as a Frenchman, but as a black man, which I have worked on, I've reflected on this situation in France, it was important to live in the US and to reflect on identities as they are experienced in the US, and we know that there are significant differences between the US and France in this respect. So it was as much a personal and identity experience back then for me as it was a scholarly experience. So I benefited from this kind of dual dimension of my Fulbright time in New York. Les six mois que j'ai passé aux États-Unis en 2018, entre février et le mois d'août 2018, grâce au programme, donc moi j'étais dans le programme Fulbright NGO Leaders, donc qui concernait les responsables d'associations ou militants et militantes, ont été absolument décisifs en fait. Arrivé à un point de blocage dans les rédactions françaises, notamment sur ces questions-là, de la question de la neutralité, de comment on parle de sujets, et ça a été. Je pense une libération à la fois voilà, psychique et aussi du savoir. Pour les futurs candidats Fulbright, les États-Unis, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'ils vous apprennent à... Ils vous mettent quand même en valeur, c'est-à-dire qu'on vous fait comprendre que vous avez une opinion et on vous donne une confiance en vous. Aux États-Unis, vous apprendrez que vous avez une opinion, qu'elle peut être mise en valeur. Ils font ça très très bien et c'est important. Et après, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Ainsi, 75 ans après sa création, les quelques 150 lauréats que la Commission soutient chaque année contribuent à être les porteurs de ces valeurs. Contribuent au dialogue entre les peuples, à la lutte contre les préjugés, au progrès des connaissances, à la diffusion des savoirs, à la recherche de réponses aux défis de notre temps, qu'ils soient environnementaux, sanitaires, techniques, politiques, économiques ou sociaux. La trajectoire de celles et ceux qui font le réseau Fulbright, leurs découvertes, leurs rencontres, leurs souvenirs, mais aussi leurs projets, sont désormais pleinement accessibles sur les réseaux sociaux de Fulbright France. Once a Fulbrighter, always a Fulbrighter.